Bonjour, nous sommes entourés de beaucoup de personnes et pourtant, souvent, on ne prend pas le temps de prier pour les personnes qui nous entourent. Or, on a reçu de la part du Seigneur une autorité pour prier et pour amener sur la terre de façon physique les promesses, les plans de Dieu et ce que Dieu veut amener sur la terre à être manifesté. En fait, on ne prie pas autant qu'on le devrait souvent. Alors que Dieu veut vraiment se servir de nous, veut vraiment nous utiliser en tant qu'intercesseurs pour amener ses plans à se manifester dans nos vies, mais également dans la vie des gens qui sont autour de nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, on va prier ensemble, mais d'abord vous encourager à prier pour ceux qui vous entourent. Et je parlerai tout à l'heure en effet d'une liste que je vais vous encourager à faire. Mais on peut aller déjà dans Romains au chapitre 16, dans Romains au chapitre 16. Alors, dans ce chapitre, il y a beaucoup de prénoms qui nous sont donnés et beaucoup de prénoms qu'on ne connaît pas du tout. Alors, il est écrit, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré ou Sancré. Donc, première personne qui est mentionnée ici, il s'agit d'une femme et une femme qui est diaconesse. Afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints, donc il ne fait pas de différence ici entre femme et homme, mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. On pourrait parler ici de la place de la femme dans l'Église avec un grand E et voir comment l'apôtre Paul ici donne une grande place à cette femme en disant même aux frères de la servir, et de se mettre à son service. Deuxième et troisième personne, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, ici deux nouvelles personnes, un couple, et là encore, l'apôtre Paul va citer le nom de Prisca avant de citer le nom de son mari, Aquilas, puisque d'ailleurs il va le faire, je crois, dans le Nouveau Testament, trois fois sur quatre où ce couple est cité, eh bien, trois fois sur quatre, c'est d'abord l'épouse qui va être citée en premier, toujours en rapport avec le service de Dieu. Donc, il y avait une grâce sur cette femme qu'il n'y avait pas sur son mari. Bon, il y avait aussi une grâce sur son mari, mais il y avait une grâce supérieure, on peut le voir, sur cette femme, de la façon dont elle est citée. Mais bon, ça, c'était juste une parenthèse. Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, donc ils servaient le Seigneur, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui les rends grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Donc, il était reconnaissant, l'apôtre Paul, on peut le voir déjà, pour Phébé, puisque Phébé l'avait beaucoup servi, elle lui était venue en aide et à cause de cela, elle était reconnaissante envers elle. Et également Prisca et Aquilas qui, eux, avaient même exposé leur tête, donc avaient mis leur vie en danger pour protéger l'apôtre Paul et pour servir l'apôtre Paul, pour être à ses côtés. Il y a une vraie reconnaissance ici de la part de l'apôtre Paul et on peut le voir dans les lettres de Paul. Vous savez, parfois, il dit, voilà, je prie pour vous, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, etc. Et il est évident que l'apôtre Paul priait pour Phébé et qu'il priait pour Prisca et Aquilas. Donc, il devait prier régulièrement pour ses amis, ces deux femmes et cet homme qui avaient été dans sa vie une grande bénédiction. Et donc, l'exercice déjà que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est de pouvoir faire une liste détaillée des personnes qui sont les plus importantes à vos yeux. Fais la liste détaillée des personnes qui sont les plus importantes à tes yeux. Un jour, j'ai fait cet exercice, j'en avais parlé il y a à peu près 2 ans dans Prière Inspirée, de faire la liste des personnes qui m'étaient le plus proches. Le but n'est pas de faire des comparaisons ou de dire que ceux qui ne sont pas dans cette liste ne sont pas des gens importants. Non, ils sont importants pour Dieu, Dieu les aime. Mais il y a des personnes qui sont particulièrement importantes pour nous. Ici, l'apôtre Paul va citer premièrement Phébé, bon, aussi à cause de sa responsabilité dans l'Église, mais tout de suite après, donc Prisca et Aquilas, parce que c'est un couple qui a béni l'apôtre Paul. Et donc, il est évident qu'il priait pour ce couple. J'aimerais que tu puisses prendre le temps, peut-être pas au cours de l'émission, peut-être aussi, ou sinon dans les jours ou dans les heures à venir, faire une liste des personnes qui sont importantes à tes yeux. Et le but de cette liste, je crois que déjà, ça va te faire réfléchir.
aux gens que Dieu t'a donnés. Peut-être tu ne vois pas, certains d'entre vous, vous dites, mais moi je vois personne, j'ai personne. Et peut-être il y a des personnes, on va en parler, qui ne sont peut-être pas des personnes importantes ou très importantes pour vous, mais que Dieu quand même a mis autour de vous. Ce sont des personnes que vous voyez de temps en temps, peut-être régulièrement, et Dieu vous appelle à prier pour ces personnes. Alors, on continue le passage dans Romains chapitre 16. Il dit « Saluez Épaïnette ». Alors, Épaïnette, vous ne savez pas qui c'est, puisque on l'oublie. Mais pourtant, il dit « C'est mon bien-aimé ». Il l'appelle même « les prémices de l'Asie pour Christ ». Donc, cet homme devait être parmi les premiers à avoir accepté le Seigneur en Asie. « Mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ ». Donc, il avait même, entre guillemets, donné un surnom gentil à cette personne. « Toi, tu es les prémices de l'Asie pour Christ ». Ensuite, il dit « Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous ». Et n'oublie pas Marie, mais il la cite. « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité ». Alors ici, voilà, mes parents, c'est un terme d'affection. Ça ne veut pas dire que c'était ses parents spirituels, mais vous vous souvenez, dans les rapports dans l'Église, on peut voir dans les lettres de l'apôtre Paul qu'on peut voir les personnes plus âgées comme des pères et des mères, sans être forcément un père ou une mère spirituelle. Mais ici, donc, il dit « mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi ». Donc, ils ont été sauvés avant lui, peut-être quelques semaines, quelques mois avant lui, Andronicus et Junias. Saluez Ampliatus, on comprend pourquoi on ne se souvient pas de leur prénom, hein. Tellement ils sont compliqués, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Ou encore l'approuvé en Christ. Donc là encore, c'est certainement, je crois, un surnom qu'il avait donné à Apelles en disant qu'il était l'approuvé en Christ. Celui qui est approuvé par Christ. Peut-être quand il le voyait, de temps en temps, il disait hey, « Salut l'approuvé de Christ ». Que Dieu te bénisse. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Ceux qui sont dans le Seigneur, pas les autres. Saluez Tryphème et Tryphose, elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. À nouveau, on voit ici deux femmes. Saluez Perside, la bien-aimée, encore une femme qui sert Dieu, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Donc ici encore un terme d'affection et d'amour fraternel. Saluez, alors ici, il va citer directement cinq personnes d'un coup, Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Bon, il ne détaille pas, il n'y a pas de surnom, il n'y a pas de « oh, ils m'ont béni, ils ont été une bénédiction pour moi », mais il les cite quand même. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ensuite, il va encourager les frères à s'éloigner de ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement qu'il leur a donné, et il va leur dire « éloignez-vous d'eux ». Il y a donc des personnes qui étaient dans la vie de l'apôtre Paul et qui ont été pour lui des amis. Certains ont été des amis, certains ont été des compagnons de ministère, des compagnons d'œuvre, certains étaient des collègues ou parfois des associés, certains étaient pour lui comme des parents, hein, des personnes qu'il respectait, certainement des personnes plus âgées, et donc il voyait comme des parents. Certains même, tu vois, une femme, il dit bah, l'élu dans le Seigneur, Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Donc il y avait une grande affection pour cette femme. Alors, l'apôtre Paul, c'était un gars déterminé, c'était un fonceur, un homme déterminé.
Et on le voit, c'est vraiment, c'est une, entre guillemets, une machine spirituelle, c'est un bulldozer. Il voyage énormément, que ce soit en bateau, que ce soit à pied, à faire des heures et des heures de marche. Il va de village en village, il y a des âmes qui sont sauvées. Ouais, il y a toutes sortes de choses extraordinaires qui se passent à travers lui. Un jour, il est lapidé, et quand il est lapidé, les gens pensent qu'il est mort, et là, il est entouré par les frères qui prient pour lui. Et le lendemain, il est en train de prêcher l'évangile. Il y a eu comme une forme de résurrection, c'est extraordinaire. Et Paul, il n'était pas tout seul dans sa caverne cachée. Je veux encourager quelqu'un, tu as un appel au ministère, mais tu es caché dans une caverne. Et en fait, socialement, eh bien, tu repousses les gens. Et le Seigneur veut changer cela en toi et te permettre d'être une personne sociable. Et je prie qu'aujourd'hui, tu puisses te repentir de cela. Ce n'est pas forcément que tu l'as voulu, que tu l'as choisi. Ça s'est formé en toi à cause peut-être de ton enfance, de ton éducation. En tout cas, aujourd'hui, Jésus veut tout toucher, veut toucher ta vie et te permettre d'être une personne sociable. La caverne, c'est bien, c'est bon pour un moment, c'est bon pour un temps. Mais au bout d'un moment, Dieu dit à Élie, mais qu'est-ce que tu fais là dans cette grotte? Que fais-tu là, Élie? Il dit, oh voilà, je suis le seul, etc., qui est servi, je t'ai servi, nanana. Et Dieu dit, non, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant le Baal. Donc, le fait de s'isoler comme ça, c'est souvent un signe d'orgueil spirituel. Je ne dis pas que c'était le cas pour Élie, mais c'est souvent un signe d'orgueil spirituel. Nous, on pense avoir tout compris et les autres n'ont rien compris. On se le dit peut-être pas comme ça, mais c'est ce qu'on pense et on s'isole des gens. Ne t'isole pas. Ne t'isole pas de l'Église. Il ne faut pas que tu repousses, parce qu'en fait, tu es censé être une lumière. Je suis censé être une lumière. On ne doit pas repousser les gens, nous, les chrétiens. En même temps, on ne doit pas vivre n'importe comment, mais on devrait ne pas être trop bizarre au point d'éloigner les gens de nous. On peut avoir nos particularités, on peut avoir un message étonnant, et ça peut être comme un message bizarre pour les gens, mais dans notre personnalité, dans notre amour, dans notre joie, etc., on ne devrait pas faire peur aux gens. C'est une parenthèse. Il dit donc, il y a des personnes, oui, bon j'ai cité des bien-aimés, des parents, etc., des compagnons d'œuvre, etc., mais il y a des personnes ici, il dit, ce sont des gens qui causent des divisions, des scandales. Éloignez-vous de ces personnes. Et il dit la raison, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Ça veut dire que sur cette liste, j'espère que sur cette liste, des gens les plus proches de toi, ce sont des gens qui marchent avec le Seigneur. Je crois personnellement que je ne vois pas comment une telle chose est possible, d'avoir comme meilleur ami, confident, quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Il y a des grosses limites à cela. Alors bien sûr, si on a rencontré le Seigneur il n'y a pas longtemps, on est encore connecté très fortement à cette personne, mais au bout d'un moment, il est évident que, surtout bien sûr si cette personne ferme son cœur à l'Évangile, on ne pourra plus se confier de la même façon. On a maintenant trouvé un réconfort, on a trouvé un sauveur, un Seigneur, et la relation ne sera plus la même. C'est évident, elle ne sera plus pareille. Et il y a en plus de ces relations, de ces meilleurs amis, qui sont des personnes qui vont t'amener vers le bas. Et donc, il faut pouvoir s'écarter des personnes qui t'amènent vers le bas à chaque fois. Il dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Donc, pur en ce qui concerne le mal. On ne doit pas être bête, on ne doit pas être stupide en marchant avec des gens qui font n'importe quoi et ne pas mettre de limites. Il y a un cadre et il y a des limites qui doivent se mettre. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ça veut dire aussi que n'ouvrez pas de porte à Satan en laissant des personnes dans votre vie qui ne devraient pas être là. Et il va continuer sa liste. Il dit « Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue, moi Tertius, donc là c'est bien sûr celui qui écrit, il dit « qui a écrit cette lettre dans le Seigneur ». Donc là, pour cette fois-ci, dans cette lettre, celui qui a écrit à la place de l'apôtre Paul, il a réussi à s'insérer un peu. « Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue. »
ainsi que le frère Cartus. Donc voilà une liste de personnes qui, pour nous, bon, ça ne nous dit rien. C'est pour ça que si je vous avais demandé qui était Cartus, 99,9% d'entre nous, on n'aurait pas pu dire qui c'était dans la Bible. Cartus, ou Phlégon, ou Asyncrite. Mais ils étaient assez importants pour l'apôtre Paul, au point de les écrire ou les faire écrire dans une liste. Et je suis convaincu que Paul nommait chacun d'eux dans la prière. Fais cette liste, parce que cette liste te permettra de découvrir les personnes que Dieu a mises à tes côtés et te permettra ensuite de prier pour ces personnes. Certains, vous avez commencé déjà à faire cette liste et c'est bien, et il faudra la continuer. J'ai déjà partagé également dans la vie de David les personnes de son entourage. Dans 1 Chronique au chapitre 27, il va par exemple donner une liste, le texte donnera une liste de 12 chefs des tribus d'Israël. Chacun pendant un mois, il était au service auprès du roi de David et donc ils étaient 12. Ensuite, il va avoir une liste de 12 intendants des biens de David. Donc il y en avait un intendant sur les trésors du roi, sur les vignes, sur les provisions d'huile, etc. Ensuite, on va trouver une liste de 8 personnages de l'entourage proche de David, toujours dans 1 Chronique, au chapitre 27. Il y a Jonathan, oncle de David, qui était son conseiller, un homme de sens et de savoir. Il y a Jéhiel, qui était auprès des fils du roi, donc auprès des fils de David, comme une nourrice, entre guillemets. Il y a Ahitophel, qui était conseiller du roi. Il y a Hushai, et ça c'est intéressant, ou Ukai. L'Archien était, c'était quoi lui sa particularité? Est-ce que c'était un chef des tribus d'Israël? Est-ce que c'était un intendant comme on vient de parler? Est-ce que c'était un conseiller de David? Est-ce que c'était une nourrice? Est-ce que c'était un conseiller du roi? Non, il est écrit, et j'aime ce passage, Ukai, l'Archien, était ami du roi. C'était sa particularité, c'était son rôle dans la vie de David. Il était l'ami du roi. Dieu t'a peut-être établi comme étant l'ami de quelqu'un. Tu es peut-être d'ailleurs une épouse et tu es l'ami de ton époux. Peut-être tu te dis, mais moi, je n'ai pas de grandes qualifications, moi, je n'ai pas fait de grandes études. Mais David avait besoin d'un ami. Et il a trouvé quelqu'un qui n'était peut-être pas un grand conseiller, c'était peut-être pas un grand guerrier, c'était peut-être pas du tout quelqu'un qui connaissait l'intendance, il n'était peut-être pas, entre guillemets, très intelligent ou très cultivé. Il n'avait peut-être pas de très très grande qualité oratoire ou d'organisation ou de leadership, mais il y a une chose qu'il avait, c'est qu'il était ami de David. Il y a des temps où David il devait être fatigué, il devait être chargé, et ce qu'il avait envie, lui, c'était juste être avec son ami. Là, il n'avait pas envie de voir le conseiller. Il n'avait pas envie de voir ses intendants, il n'avait pas envie de voir les chefs de l'armée. Vous allez arrêter de me parler du travail, s'il vous plaît, de la guerre. Est-ce que je pourrais passer juste une soirée avec un ami? Je prie que Dieu te donne cet ami. Je prie que Dieu te donne des amis. Vous allez pouvoir simplement vous reposer, être tranquille, pouvoir parler des choses du Seigneur. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de charge. Et cet homme était prêt à risquer sa vie pour son ami David, et on le voit symboliser son histoire. Et Jonathan le fut aussi, lui l'ami de David. Dans la liste, ça continue, il y a aussi plusieurs personnes qui sont mentionnées comme étant eux aussi conseillers. Il y a Joab qui était le chef de l'armée du roi. Alors, juste un petit rappel avant qu'on puisse prier ensemble. Vous vous souvenez, je vous avais parlé il y a 2 ans de 4 catégories d'amitié. Vous pouvez trouver ça sur la chaîne YouTube de MCI. J'ai parlé des connaissances. Les connaissances, ce sont des personnes donc, qui n'iront pas forcément manger chez vous, ou s'ils y vont, c'est vraiment très occasionnel. Vous pouvez bien les aimer, mais bon, la relation est quand même assez superficielle. Peut-être vous pouvez faire appel à eux quand vous avez besoin d'eux ou vice-versa. Ils peuvent être utiles, mais ce n'est pas vraiment des amis, ce sont des connaissances. Sur la liste que vous allez faire, je vous encouragerai à faire 4 colonnes. Donc, dans la première colonne, vous allez mettre vos connaissances. Certains d'entre vous vous disent « mais moi, je n'ai pas d'amis ». Eh bien, vous avez des connaissances.
cette connaissance, ça peut même aller jusque-là, c'est ce boulanger ou ce vendeur dans le magasin que tu vas voir presque tous les jours. Finalement, c'est peut-être même la personne que tu vois le plus. Ça peut être un collègue de travail. Écris-le et prie pour cette personne. Et Dieu va t'utiliser pour prier pour cette personne. Et à un moment ou à un autre, si tu pries avec régularité pour cette personne, le Seigneur te parlera d'elle. Le Seigneur va te dire des choses à son propos parce que tu pries pour elle. Et là, son cœur va pouvoir s'ouvrir, recevoir l'évangile, tu pourras être une bénédiction, etc. Deuxième colonne, ce sont les amis d'intérêt commun. Ça, ce sont des personnes qu'on peut retrouver, par exemple, notre intérêt commun, c'est Jésus. C'est des gens qu'on voit à l'église, ou notre intérêt commun, c'est peut-être un club, un sport, c'est peut-être un travail, et donc une activité, donc, où on aime juste aller avec eux en vacances, mais c'est peut-être même pas des amis, mais bref, il y a un intérêt commun qui est là, et on peut parfois peut-être toucher certains aspects profonds avec eux, mais ça reste quand même assez rare. Peut-être ils peuvent vous manquer un peu, mais quand ils partiront, ils seront remplacés par d'autres personnes. Deuxième colonne. Troisième colonne, les amis profonds. Ce que j'ai appelé les amis profonds, ce sont des personnes à qui vous pouvez parler de tout, mais pas au point de parler de vos faiblesses et de vos secrets. Ils ne savent pas tout, mais ils en savent beaucoup plus que la majorité des gens de votre entourage. Ça, ce sont les amis profonds. Notez, est-ce que vous avez des amis profonds? Faites cette liste. Et si vous voyez qu'il y a des trous dans la liste, priez pour cela. Seigneur, j'aimerais que tu me donnes, ou j'aimerais que tu ouvres mes yeux. Est-ce qu'il y a un ami profond avec qui je peux parler de tout? Peut-être épouse aussi, époux. Et merci au Seigneur pour cela. Et priez que Dieu comble les trous. Quatrième colonne, ce sont les amis de cœur. Ces amis de cœur, c'est donc avec eux, vous pouvez tout partager. Ils connaissent vos faiblesses. Ils connaissent vos failles. Vous pouvez partager des choses intimes. Vous rappelez-vous que dans les 12 disciples, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Seulement 3 pour aller là dans le jardin. Il a laissé les 8 autres derrière et Judas, lui, s'est perdu. Donc, cette personne peut partager avec vous vos batailles, vous soutenir autant qu'elle le peut. Bien sûr, elle reste imparfaite. Alors, dans et devant le Seigneur, que vous puissiez faire cette liste. Peut-être même la mettre dans votre Bible. Vous pouvez mettre la liste dans votre Bible. Et une fois que vous avez la liste dans votre Bible, vous pouvez prier pour les personnes de cette liste de manière régulière. Peut-être même demander au Seigneur quand vous voyez ces noms, parce qu'on peut oublier les gens qui sont autour de nous. Et dire... Des fois, vous allez prier sur cette liste et il y a un prénom qui va sortir. Et là, vous sentez que vous devez prier pour la personne. Père, je veux te remercier parce qu'aujourd'hui, tu nous encourages à prier pour les personnes qui nous entourent. Et tu veux qu'on soit pour elles une bénédiction. Je veux te remercier et remercier le Seigneur là où tu te trouves. Je vais vous laisser prier, remercier le Seigneur un moment pour les personnes qu'il a mis autour de vous. Citez leur nom. Nommez leur nom dans la prière. En disant simplement merci, Seigneur. Maintenant, demandez au Seigneur, permets-moi de faire la différence entre ces amitiés. Est-ce que tu me donnes des amis de cœur? De qui je peux avoir confiance, envers qui je peux avoir confiance. Est-ce qu'il y a des amis profonds ou un ami profond? Est-ce qu'il y a des amis d'intérêt commun?
même des connaissances. Continuez à citer ces noms. Et non, merci pour telle personne. Toujours dans ce temps de prière, demande au Seigneur s'il y a quelqu'un dont je dois m'éloigner parce que c'est pas une bonne personne ou simplement tu la veux pas dans mon entourage ou à chaque fois que je suis avec elle, tu sais que je tombe. Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux m'en éloigner. Viens assainir et purifier mes relations. Viens guérir mes relations. Certains, vous avez été blessés dans vos relations et vous avez besoin de guérison dans votre cœur. Que le Seigneur vous apporte une pleine guérison dans votre cœur qui a été blessé, qui a été meurtri. Certains, vous n'avez plus la force et le courage, vous n'arrivez plus à faire confiance aux gens. Parce que vous avez été trompé et vous avez été déçu. Certains aussi, vous pensez que les gens ont parlé contre vous et en fait, c'est faux. Il y a eu des situations qui vous ont fait croire que... Et en fait, non, c'était juste le diable qui vous a un peu ligué l'un contre l'autre et vous avez cru, en fait, non. Le seul gros problème, en fait, c'est le diable. Mais vous vous aimez. Et il faut pouvoir vous pardonner réciproquement, comme vous avez été pardonné en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence. Commencez à prier pour ces personnes. Commencez à prier pour ces personnes. Il nous reste peu de temps, alors prie pour la personne que tu as sur le cœur maintenant. C'est la première peut-être qui te vient et prie pour elle maintenant. Bénis cette personne. Demande au Seigneur de la toucher. Demande au Seigneur de lui faire du bien. Demande au Seigneur de la visiter. Demande au Seigneur de pourvoir à tous ses besoins. Alors, je vous encourage à continuer après ce moment de prière de cette émission et à continuer de prier pour les personnes que Dieu vous met à cœur, pour aller plus loin dans le prophétique, dans les paroles de connaissance et les visions et les songes. Et ça passe par la prière. En priant pour les personnes que Dieu met autour de vous, eh bien, vous allez déclencher ou enclencher des choses, ouvrir de nouvelles portes, vers de nouvelles révélations. Et être une bénédiction pour les gens que Dieu a mis autour de vous. Il n'y a pas de hasard. Souvent, quelqu'un est placé là parce qu'on doit être pour cette personne une bénédiction. Alors, faites cette liste et que vous puissiez prendre le temps avec Dieu. Une soirée peut-être. Allez, je vais prendre le temps. Faire ces 4 colonnes. Réfléchir dans la prière et arriver aussi peut-être à des conclusions et commencer à prier pour ces personnes de manière régulière. Que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve demain.